Alors déjà, on a le point de vue de la direction dans cette affaire Jonathan Clauss, qui avait un peu surpris tout le monde lorsque l'OM avait voulu s'en débarrasser, avait en tout cas exprimé cette envie. On sent que c'est pas tout à fait réglé. On peut se demander comment il va finir la saison, d'ailleurs, Jonathan Clauss. Il y a l'euro. Déjà rien que ça, à mon avis, pour lui, ça va être un moment de concentration. Il est dans une mauvaise posture, on l'a vu, enfin, c'est assez clair. C'est rare qu'on voit un club parler d'un joueur comme ça à charge. Derrière, il y a l'euro, et pour lui, et pour son avenir, que ce soit à Marseille ou ailleurs, il va être obligé de rentrer dans le rang et de faire les 6 prochains mois de trop haut niveau s'il veut participer à l'euro, tout simplement. Je trouve en tout cas d'avoir cette interview est une chance. Parce que c'est d'avoir de comprendre ce qui se passe en interne. À la fois, je trouve que c'est assez subtil de la part de la direction et de la gouvernance marseillaise d'accepter ce rendez-vous, parce que en fait, Mehdi Benatia, il reprend un petit peu, il protège la gouvernance, il remet en tout cas du lien entre toutes les affaires qu'il y a eu autour des entraîneurs, autour de la direction, autour d'un nombre de transferts impressionnant. Il se gagne du temps un petit peu. Et donc, en tout cas, ça refixe un cap, pour tous les supporters. Il reconnaît un manque de lisibilité dans le projet et il espère que Gattuso va pouvoir s'inscrire dans la durée. Ça serait bien que Gattuso pose ses valises à l'OM. Ça peut être l'homme, enfin, de la stabilité, Gennaro Gattuso. Je sais pas. En tout cas, déjà, sur Clauss, je voudrais dire une chose, c'est que Clauss, je le vois jouer depuis 2 ans, c'est pas celui qui fait le moins d'efforts, quand même. Hein. C'est l'un des plus fiables. Franchement, j'irai pas plus loin là-dessus. Offensivement. Pour moi, je reste là-dessus, sur mon idée à moi. Maintenant, cette interview, ce qui me gêne, c'est qu'on oublie un petit peu l'identité marseillaise et l'identité du Sud. C'est que Marseille, c'est un club, et tous les clubs, je trouve, en France, perdent leur identité. Et on oublie trop l'identité. À Marseille, il y a un public. Voilà. Mais Gattuso, il fait partie, il a ce caractère-là. D'accord. Mais l'identité marseillaise, c'est d'avoir une formation marseillaise, c'est d'avoir des joueurs qui sont formés à Marseille, c'est d'avoir quand même une volonté que l'équipe ressemble au public de Marseille. La formation marseillaise, quand est-ce qu'elle a existé? Elle part de loin pour l'instant. Si on prend tous les joueurs qui sont à Marseille, qui sont de Marseille à l'extérieur dans tous les clubs à droite à gauche, tu peux faire une équipe, sincèrement. Mais l'identité marseillaise, elle est importante. Le public, en ce moment, moi je vous le dis sincèrement, s'éloigne un petit peu de cette équipe-là, des dirigeants, du président, parce qu'à un certain moment, ils se sentent plus concernés là-dedans. Ils ne sentent plus qu'il y a une équipe avec qui ils peuvent s'appuyer dessus, avec qui, tu ça, vois. Ça, c'est un peu vrai dans tous les clubs. Ouais, mais Marseille, c'est Marseille. Marseille, il ne faut pas oublier que Marseille, c'est les quartiers nord. Socialement, c'est important que l'équipe marche. C'est important que la région. C'est la région. Non, mais le club représente quand même Marseille. On est au courant. C'est pour ça que Mehdi Benatia, je pense qu'on l'a pris aussi pour venir un petit peu comme ça. C'est-à-dire, il a été au centre de formation. Il veut avec développer Samir la Nasri. Formation, dit-il. Il veut développer. Oui. Il y a des bons résultats en ce moment. On rappelle que l'équipe Gambardella de l'OM a éliminé. Oui, c'est pour ça que, les 3 ou 4 ans, ils peuvent correspondre. Maintenant, juste à eux s'aligner et d'être solides. Pour répondre à la question d'Hervé, Gattuso, si on regarde son passé, c'est comme Sampaoli, c'est comme Tudor, c'est un entraîneur instable. Il a passé, sur les 10 dernières années, il a connu 8 clubs. Les clubs où il est resté le plus longtemps, c'est Milan et Naples où il est resté pas plus longtemps. Mais Marseille, tu n'as plus un mec qui est né à Marseille et tu n'as plus un gars qui est formé à Marseille. La problématique de ces clubs-là, c'est économiquement parlant, il faut pouvoir assumer de faire voir un projet sur 3-4 ans. Après, peut-être que c'est dans ce qu'on va voir dans les semaines à venir. Pour une fois, peut-être que Gattuso aussi va pas partir lui, alors que les autres sont partis. Oui, parce qu'on rappelle que ils ont Tudor, Sampaoli, Marcelinho. On parle d'instabilité, mais ce sont eux qui. Oui, parce qu'ils en pouvaient plus. Partis. Là, je me dis que peut-être pour la première fois, c'est peut-être ensemble, justement, Mehdi Benatia, Longoria, Gattuso, ils ont peut-être intérêt à réussir quelque chose ensemble. Pour la première fois, Gattuso aussi, il a intérêt de pas partir, parce que sinon, sa cote va définitivement être très très basse.